Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Project 04 où on était dans les jardins après avoir affronté comment ça s'appelle déjà, la Canadée je crois que c'était. Et nous allons descendre dans les tréfonds de l'enfer. Bon, on avait réussi à récupérer dans la précédente vidéo une clé plate qui va nous permettre d'enfin ouvrir cette fameuse porte qui nous intriguait depuis un long moment. Enfin, du moins qui m'intriguait. Cette fameuse porte verrouillée. Ça devrait être la localisation du rituel. De là où il y a lieu le rituel. On est... Attends, je suis bien au bon endroit. Oui, c'est bon, c'est bon. Tap, 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 tap. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Déjà, je vais le repérer. Ok, il faudra que je lise la cassette. Mais déjà, je veux récupérer cette satanée poupée. Poupée. Voilà, ça c'est fait. Ok, et maintenant la cache, la cassette. Cassette. Ok, excusez-moi, mais je vais recommencer avec la cassette parce que j'ai été interrompu par un proche. Voilà, je recommence. Excusez-moi. 2年ぶりの老月島で灰原を見たという情報が入った。今度は風じゃない。これも神田だ。灰原が潜伏しているとしたら、やはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。 2年前の神楽の一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、訪れる人もほとんどいないという。しかし、暑いな。まだ残暑が厳しく日差しが強い。風がない。空気が動いてないんだ。 Ok, c'était la merde. Ok, maintenant nous pouvons continuer. Désolé pour recommencer cette cassette, mais non, je vous l'aurais probablement coupé la première fois parce que j'ai été un tout petit peu interrompu. On va aller là. C'est ici, normalement. Bon. C'est l'heure d'avancer. Est-ce que j'ai manqué une poupée ici? Ah, là.
repère le secteur. En haut, non. En bas, que dalle. Qu'est-ce que vous voulez que je photographie? Je comprends pas. Je comprends rien du tout. Ah, c'est pas vrai. En même temps, le réticule de visée est tellement petit, il n'y a pas moyen de l'agrandir. On va dire c'est con ce que je dis. Annulation, portée, charge, capacité, chaîne. Ah, j'en ai qu'un. Portée, non, ce serait pas ça. Charge, capacité. Seul point négatif de ce truc, c'est que vraiment c'est. Ah ah! Voilà! Voilà! Non, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est fermé? Oh mon dieu, une poupée. Là-haut. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, on était censé. Et ouvre la porte. C'est bon. D'accord. Ok. En fait, il fallait qu'on. Ok. Encore. Ouh, cette fois-ci. Là-haut. Je te tiens. Ok. Cette fois-ci. C'est la bonne. Alors déjà, je m'équipe de la bonne lentille. Où est-ce qu'on est? Et là, ça va être un document, je parie. Un document. Tout est prêt, mais je n'ai pas encore l'autorisation de découper son visage. Lorsqu'il y a des bourgeonnements, le corps doit être traité comme suit. Le visage doit être découpé, il doit ensuite être enlevé. Sans visage, il n'y a pas d'éclosion. Je dois respecter cette tradition. Mais elle respire encore, je ne peux pas procéder à la découpe tant qu'elle respire. Cependant, cette femme
Est-elle vraiment vivante? Son souffle est très faible et l'air autour d'elle est glacial. Son souffle est glacial. De plus, il y a comme une forte odeur de brûlé que même dans l'encens ne peut couvrir. Ce corps est resté dans cet état beaucoup trop longtemps. Je dois lui découper son visage comme ses deux morts, ceux des morts. Mais je n'ai pas le droit de la toucher, ni même de l'appeler. Je suis de plus en plus anxieux. Le visage de cette femme doit être découpé. Vais-je être en mesure de résister à cette pulsion? Kirishima-san. Sayaka-san, どうして? その仮面のかけらを、あの子に渡してください。大切なものです。でも、ルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔、ルカを見つけた場所。桐島さん、またあなたに助けられましたね。Donc en fait, depuis le début, elle serait morte, la mère, ou bien... Oh, j'y comprends rien. C'est trop bizarre. Interrompre cette vidéo étant donné que ça commence à bugger grave. Je vais prendre cet autre objet. Fantôme. Allez, notre document. Loupé! Ça va, j'ai repris des FPS. Pourquoi il faut que je parle toujours trop vite? Bon, et bien, je crois que je vais faire une légère coupure et du coup reprendre quelques instants après. Voilà, parce que la chute de FPS, je suis désolé, mais ça m'énerve. Ok, c'est reparti, en espérant que ça ne bug pas trop. Bon, j'ai prolongé du coup un peu la vidéo de... vingtaine de minutes. Du coup, ça devrait faire plus de 30... Ah, ça devrait faire 35 minutes à peu près la vidéo. Enfin, j'espère, si ça bug pas énormément. Donc, du coup, j'étais là, ça buguait, j'avais exploré cette porte-là, ça marchait pas... Mais il y a une poupée là-dedans. Ah, je trouvais, Non, poupée. Et... Putain, je vais la voir. Ça bug encore un peu. Ça bug toujours autant, c'est pas possible.
pense que c'est juste dû au démarrage. Allez, on va avancer un peu. Du coup, il faut qu'on retrouve Luca, qui est à l'endroit où on l'avait retrouvé pour la première fois. Je crois savoir par où est-ce qu'il faut passer. Mais s'il te plaît. Juste, laisse-moi finir cette phase, puis après tu peux commencer à bugger. Ok. Ok, elle peut pas se prendre de dommages. Là. Allez. Aïe. Dégrouille-toi, bon sang. Juste avant, je veux me soigner un peu. Ok. Là par contre elle me poursuit bien. Là c'est bien. Là c'est stressant. Là je flippe pour mon cul. Ça te brouillait, oui. Question. C'est où la suite? Faut que je retourne. Où est-ce que je suis? Ah oui. Par là, je suppose. Je sais pas où déjà. Premier étage. Je crois savoir. Je me rappelle un peu, c'était par là. Est-ce qu'on a pris la même entrée ou bien du coup on est passé par un autre endroit? Je me souviens plus. Ça répond à toutes mes questions. Ok. S'il y a des photos à prendre, je mets comme ça. Allez, où es-tu? À quoi servent les trucs là? Alors, l'anti qui permet d'amplifier les dégâts que j'ai. L'anti qui permet de prendre des photos avec la lampe spectrale et avoir le temps prévu pour effectuer les enchaînements. Ok. Ça sert presque à rien. Je recharge, faut que ma lampe se recharge. Pas possible.
aucune en moi. Ascenseur. Ah, je vais répondre au téléphone. Téléphone qui va pas faire de bruit comme d'habitude. Allez. Elle s'est réveillée. J'ai toujours attendu qu'elle se réveille. Ok. Ok. Bon, je vais faire une véritable sauvegarde par contre. Ah. Rassurez-vous, je suis pas énervé contre le jeu, je suis pas énervé contre vous, je suis énervé contre l'émulation qui m'énerve. Voilà, c'est tout. Avec les ralentissements, etc., j'en ai juste marre. Ascenseur, juste au cas où. Voilà. Alors il me semble qu'il y avait une poupée en descendant. Merde. Putain, elle est pas facile à prendre celle-là. Alors normalement, si c'est bien droit où je pense, ça devrait être ici. Thank you.
un peu de ralentissement. Est-ce que je suis le chat au moins? C'est toi le chat? Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ceux qui comprendront la référence à Star Wars Icon. Ok. Ah, là-haut. C'est vrai qu'on avait débloqué ce passage avec Misaki. Je pense que ça va être le combat final de Chouchiro et que ça va terminer sa phase du coup. Bah c'est cool, on va terminer la phase de Chouchiro et puis je pense que j'arrêterai la vidéo là-dessus. Ok. Et j'ai utilisé ma pierre miroir comme un con. Allez, mais dépêche! Vous savez quoi? Je vais rusher jusqu'au boss. Parce que j'en ai rien à faire. Allez, ouvre! Voilà! T'as le démon! Je déteste les petites filles dans les films d'horreur. Elles sont chiantes. Ça y est, c'est l'heure du final showdown.
Allez, viens te battre. Aibara. Aibara! Aibara! Dokoda! おしまいだ。 全部なくなるんだ。 俺も。 Chotiro qui est mort. Tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Bon. Je pense que ça doit être la dernière phase du coup parce qu'il ne reste plus que. Plus qu'un seul personnage en vie. Sauf si Misaki est toujours en vie. Ruka. Phase 11, éclipse lunaire. Ah, peut-être que ça va être la dernière phase. Peut-être que finalement, ça va être la dernière phase. Je me suis trompé, il y a peut-être 11 phases. 12, si on compte le prologue. Ok, eh bien, au vu de la durée de la vidéo, je pense, continuer un peu. Allez, juste un petit chouïa. Tant que ça bug pas, plus on avance, mieux ce sera. Loupé. C'était prévisible. Quelque chose. Une note. Film de type 61, ça convient. Voilà. On va voir les différentes portes qu'il y a. Ok, il n'y en a qu'une à ma droite. J'explore. C'est chez moi, après tout. Enfin, c'était chez moi. Qu'est-ce que tout dégénère? Là, il va y avoir une note, je suppose. Allez, ou un fantôme. Et une note! Oui! Depuis des générations, la famille Yomotsuki est reconnue pour sa conception des masques du Kagura Tōgetsu. La famille Yomotsuki fabrique des masques depuis très longtemps. Mais c'est Suan Yomotsuki qui est considéré comme le fondateur de ce travail sacré. Les masques fabriqués par Suan se distinguaient... vraiment de ceux des autres, car ils étaient conçus à l'image des dieux pour accueillir les âmes des défunts. Génération après génération, la famille Yomotsuki prospéra et engendra beaucoup d'artistes émérites. Suetsu marque la septième et meilleure génération. Les masques de sa génération étaient considérés comme les meilleurs représentants de l'âme. Ils deviendront l'honneur et la fierté de Rugetsu et furent même présentés à l'empereur. Plus tard, un grand désastre surnommé le jour sans souffrance s'abattit sur l'île de Rugetsu. Suetsu disparut sans laisser de traces. La date de sa mort reste ainsi un mystère. Depuis deux générations passées et les techniques de fabrication des masques de Suan et de Suetsu reviennent à la vie. Ok. Donc en gros, on ne fait qu'imiter leur construction. Si j'ai bien compris. Je te vois. Oh putain, tourne au dernier moment. Voilà. Je te tiens. Ok.
Je veux voir un truc, équipement. J'en ai 31, il m'en faut 70, ok. Eh ben on va attendre un peu. Après. C'est pas comme si le boss final était là tout de suite maintenant. Ça va être dans un petit moment, je pense. On va être au dernier chapitre, mais on va avoir les dernières révélations. Même si je pense qu'on peut pas avoir plus de révélations que ça. Au dernier moment. Putain. On est ici. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Ouais. Je me suis souvenu de quelque chose. Je l'avais oublié depuis tout ce temps. Je voulais te le transmettre. Mais je ne pouvais pas. Je l'avais laissé sur l'île à notre départ. Fantôme. Ça me rapproche un peu plus de ce que je souhaite faire avec. Une petite 90. Ah, là, voilà. Ok. Et je vais aller sauvegarder du coup pour arrêter cette vidéo ici. Il y a des passages ici et là. Notre objectif c'est d'aller par là-bas. Ok, donc il va se passer quelque chose là-bas. Donc je pense qu'on peut explorer un peu par là en attendant. Trouver des objets intéressants. Là j'ai trouvé des munitions de type 90, ce qui va pas mal m'aider pour le boss final, je pense. Même si je vais surtout utiliser le type 0. Et puis ben, je vais essayer de revoir combien de phases il y a exactement. Pour vous dire si on est proche ou encore si on a encore un peu de chemin vers la fin. En tout cas, merci encore d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour ne pas manquer la suite et à partager si vous avez bien aimé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !